Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 avec la naissance d'un empire. Dans l'épisode précédent, nous avons mangé la Northumbrie. Et nous avons commencé une guerre parce que nous n'avions pas de faction, donc on profite. On a commencé une guerre contre eux. Et ensuite, on fera probablement peut-être rapidement une guerre contre le Léon. Mais d'abord, on finit ça. Ici, ça se passe bien. On a fait une bataille, on a sorti les alliés, et puis tout s'est bien passé. On n'a plus de soucis. Nos vassaux également sont plutôt... plutôt très en forme. Là, j'attends de faire sauter quelques forts, parce que ça me permettrait d'avancer confortablement. Parce que c'est pas le cas actuellement. On est coincé, il y a des forts partout dans cette région. Logique, parce que à la base, c'est plein de petits états. Hein. Donc on va pas cracher, mais c'est plutôt désagréable. Alors ici, on a ça. Oh oui. Ah, 60%. 7%. Une fois qu'on aura pris ce point-ci, on aura du score qui va... Là, actuellement, notre score diminue parce qu'on n'a pas l'objectif de guerre. J'aurais dû prendre un objectif genre le Barrois qui aurait été plus simple. Mais j'ai pris le plus au sud. Objectif de remonter comme ça. Pour avoir ces 4-ci, et puis on verra. Hein. On fera les 4 et on verra ce que ça nous apporte. Je pense que les 4, ce sera déjà pas mal. J'occupe Trèves. Oh, est-ce que je peux venir occuper ça? Non. Il faut que je prenne ceci pour venir reprendre leur capitale. Allez, 14% pour la Franche-Comté. Ici, je peux faire une légitimation. Non, je fais. Ce qui serait bien, c'est de convertir des points d'un à l'autre. Ça aurait été pratique. Celui-ci va pas tarder à tomber. Donc, on pourra faire tac. À mon avis, tac, tac. Et venir occuper là-haut aussi. Munster, c'est le moment de te défendre. Parce qu'après, je m'en fous. Là, c'est le moment. Tiens, d'ailleurs, t'as des alliances qui sont faites alliées avec le Maroc. Mais ça veut dire qu'on viendra se poser au nord du Maroc. Désolé pour toi, hein, mais on prendra les deux ici. Et après, peut-être ça aussi. Juste pour faire chier. Vague promesse. C'est quoi ça? France revendique Brisgau. Ok, je revendique Brisgau bad, ok. Et là, je gagne du prestige. Donc là, j'ai des revendications sur ceux-là, même si je vais pas les utiliser. Mais je revendique, et je leur dis. Allez, Franche-Comté, on y est presque. On compte sur toi. Et ici aussi. Là, on compte sur toi. Tu vas faire un coup, tu vas ouvrir le truc et ils vont se rendre tout de suite. Alors, que puis-je faire? Promulguer l'édit de Fontainebleau. Ça me donne quoi? Ah, oh! France n'est pas... What? Tout ce qui est un protestant répandu dans moins d'une province, réforme répandue dans moins d'une province, ou Paris contrôlé par des factions, ça fait quoi? Considérons que nous pouvons plus rien faire... Rien
Hein, nous ne pouvons rien faire de meilleur que révoquer l'édit Nantes, de même que les articles particuliers qui ont été rattachés. Et donc c'est tout ce qui est réforme n'est plus accepté. Mais en même temps, il n'y a plus aucune province réformée chez nous, c'est ça? Bah oui, alors. Je fais. Hop, ensuite... Allez, ça, ça va tomber. Celui-là va pas tarder non plus. On y croit. Alors, non, de toute façon, tant que j'ai pas pris la province ici, ça sert à rien. Pas encore. Ah, nice, le Franche-Comté est tombé. Bah tu sais quoi, tu ne sers à rien là dans le nord, donc tu vas venir te mettre en Galice. Non, tu vas venir te mettre là. Même chose pour toi, tu ne sers à rien ici, donc tu vas venir te mettre ici. Oh, c'est Florence qui occupe la Sardaigne. C'est très bien. Parce que je la veux, donc parce que ça fait pas beau une tache rouge comme ça au milieu de l'océan. Donc je viendrai de la prendre. Ça me sera ma revendication contre la Suisse. Mais pas tout de suite. Chaque chose en son temps. Allez, ça va sauter ici. Au prochain tic. Pouf. Non, pas encore. 49%, ça s'améliore. 85. Allez, on y est presque. Ici, des rebelles, où ça? Des quoi? Des Macassaroises? Bon, ici je veux bien. Oh, là c'est compréhensible. Par contre, Macassarois, Macassaroises. Je ne vous connais pas, messieurs. Hop, ici tout va se calmer. Ils sont pas contents, mais faut comprendre. Ils viennent d'être annexés, tout ça. Ça a pas l'air d'être ici. Ça a pas l'air d'être là. Ça a l'air d'être ici. Oui. Voilà, il n'y a plus. C'est bon. Northumbria, on s'en fout. Ici, Marave. Maravis. De toute façon, ça a l'air bien comme ça. Il n'y a plus de risque. Exiger une condition. Non, on va pas exiger quoi que ce soit. De toute façon, niveau thune. Voilà quoi. Un vassal disponible, on va le renvoyer sur pays outragés. Et le dernier sera là pour faire l'épée. Taxon. Oui, taxon. Bruxelles est tombée. Hop. Non, bah c'est bien. On va un peu progresser comme ça. 53%. Si je te dis ce que je veux 1, 2, 3, 4. Ça t'accepte. Pour le moment, ça t'accepte. Plus le Hainaut. Plus les Flandres. Là, t'acceptes encore. Plus toute ta thune. Là, t'acceptes pas avec toute ta thune. Et si je monte Bruxelles? Ah, Bruxelles, si tu ne veux pas. Non, le Hainaut, je prends d'office. Ça me paraît bien. Relâcher Aix-la-Chapelle. Non, on est bien comme ça. Il y en a combien? 4? Alors, il y en a un qui va aller ici. L'autre qui va aller là. Un troisième qui va venir ici, qu'on va rembarquer, qu'on prépare à embarquer pour l'Angleterre. Et le dernier à Paris. Voilà. Alors, qu'ai-je fait? J'ai récupéré quoi? La Lorraine, je l'ai assujettie. Enfin, je l'ai réassujettie, du coup. Ah. Eh ben, on est bien. Ah, il y en a d'autres qui ont... Réunifié la région. Alors, deux secondes. On a réunifié toute la France. Ok.
Oh, des séparatistes autrichiens chez l'Ottoman. Si, j'aimerais bien qu'ils ne gèrent pas. Hop, ici, par contre... Ah oui, quand même, 203%. Ah, ça pique, hein. Ah, on va faire espérer que ça tombe vite, ça. Mais, 203%, viva la révolution, hein. Plus 6. Mais au moins, voilà, moi j'ai mon objectif proche. Enfin, on pourra continuer sur les nos, c'est pas un désagrément. Ça, j'ai pas de revendication, j'ai Bruxelles. J'ai, en gros, la Belgique. C'est ça. Même si ça, c'est censé en faire en partie, vu que c'est en verse. Faudra que je prenne ça en plus. Mais voilà, trêve, on s'en fout. Ok, il nous restera 4 provinces à prendre pour avoir Flandre, hein, je suppose. Vous, il y en a pas un qui... Non, on peut pas avant 9 ans. Ah bah ça va être compliqué. On avait vu, c'était ici. Non, c'était pas ici. Non, mais on va quand même diminuer ici. Hop, toi tu fais partie d'une région. Hop. Là, on peut rien y faire, ok. Ici. On y fait. Oula. Eh, ultra vénère dans le coin. Ça peut calmer partiellement la région, c'est cool. Hop. 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 Ici. Oui, clairement. Ici aussi. Hop. On réussit partiellement à calmer l'énervement. Partiellement, je dis bien, parce qu'il y en a qui sont ultra vénères. Après, avec la quantité de terre qu'on vient de prendre, ça m'étonne pas. Hop, oula. Commencer par ça, on va essayer de... calmer les choses. Là où c'est le plus potentiellement dangereux. Là où ça devient jaune assez puissant. Allez, ça se rapproche. Franchement, on a presque nettoyé la région. Donc c'est-à-dire plus de guerre pendant un moment. Qu'on en a qui sont ultra ultra forts. 100%, donc ceux-là ils vont se révolter, c'est ça. Ils vont se révolter au mois suivant. Voilà. 33, ah oui quand même. Vous descendez. Ici, vous allez venir jusque là. Et puis, à mon avis, vous allez vous déplacer. Donc, on aura un souci, mais... dites-moi qu'il y en a un qui a agitation
Agitation. Baisse de l'agitation. Réputation diplomatique, droit de douane. Réputation diplo alors. Ah, agitation moins 2. Je prends. Désolé, Brandebourg, mais non. Pourtant, je t'aimais bien. Maintenant, tu me détestes, tu veux plus jamais être allié, c'est ça. Là, ah, on peut en faire un autre, 16%. Perte d'un cardinal. Ok. Perdu la dignité cardinalis. Le bateau est loin parce qu'on va faire un détour. Hein. Arrêtez-vous ici d'abord. Les prochains à se révolter, c'est quoi? C'est Marav. Mais je sais pas où c'est les Marav. C'est ici? Non, c'est peut-être ici. Ouais. Arrêtez de me faire des désagréments mineurs dans tout le territoire. On a compris qu'il y avait du désagrément mineur, mais c'est plus du désagrément mineur, là. Tellement que c'est majeur. Oui, youhou, on a un tout petit peu diminué. Mali nous insulte, insulte-moi, j'aime ça. On va former, on va légitimer le barois. Là, je ne peux plus les Comores parce que bah, ils sont dessus. Donc ça n'avancera plus, mais ça vaut combien les Comores? Zéro. Gant. Ah oui, plus. Perdu en général, c'est rien. Lincolnshire, 11%. On va descendre un tout petit peu. Pas assez, mais bien évidemment, mais... Voilà, je le savais. Je m'occupe d'abord d'eux, et puis je vais aller chercher ceux-ci. Londres. Ah bah. What? 80 000 Anglais à Londres. J'envoyais deux armées parce que je peux pas faire mieux. 80... Et puis je suis sur un fort donc ça devrait le faire mais... 80 000. C'est bon après ça? Après ça on a Castille, Monopole... Motapa et... Castille, je peux faire quelque chose éventuellement ou pas? Et Flandre? Ben Flandre, non, hein, je peux rien faire. Waouh, on a fait une victoire ici. Butois, ben très bien. Ce sera sur le chemin. Voir ici. On est sur place. Plus. Ah, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas. Ok, ici. C'est là où on a le plus de soucis. Toi, tu viens ici. Ah bah super, je faisais revenir justement pour ça. Sauf que là, il n'y a pas de fort.
Hop. Barrois, ben on ira juste après, tant qu'on y est. Non. Pas les provinces là, parce que c'est de le bordel, sinon... Est-ce qu'on peut rééditer le truc de Nantes? Non. L'État, c'est moi, il faut quoi? Ère des absolutismes, donc c'est trop tard. Confirmer la thalassocratie? Non, d'accord. Ça fait quoi? Transférer la cour à Versailles. Doctrine économique. On passera peut-être sur les doctrines économiques alors. Hop, on vient ici. Ensuite, toi... Hop, tu vas venir jusqu'à là pour commencer. Agir bientôt, on perdra encore 7%. C'est pas assez, hein. Il faut perdre du 16% pour que ça commence. Calaisis. Il y en a une qui reste sur place et les deux autres vont sur le Calaisis. Voum. Eh ben, voum à toi aussi. Hein. Révolte à Séville, bien évidemment. Stop. C'est bon, oh ben il y en a encore pas mal hein. C'est bon ça, on se sépare pour se reformer. C'est rien, c'est sur la région, on reviendra plus tard. On est un peu occupé en Afrique en ce moment. Et après, c'est quoi les suivants? Bénin, Tyrone. Ah, là, par exemple, je pourrais essayer de gérer. Ça, je peux le faire. Hop. Ah parce qu'en plus il y a ici, allez hop, les ennuyés se sont levés aussi. Hop, ensuite toi tu retournes au Barrois, toi tu vas sur Paris et toi tu vas sur Calais. Vous deux, vous foncez dessus. En plus, j'ai des vassaux d'autres pays qui viennent chez moi, c'est ça? Ou alors non, il est passé chez lui, il est revenu chez moi. Ok, j'ai perdu la moitié des hommes. Ça va être compliqué hein, pour repousser ici. Concernant ça, pour le moment, on va perdre bientôt 16%, mais... Nice, nuage en moins, bah ici. Au Bénin, c'est la suite logique, Northumberland. Là, normalement, avec une seule armée, je devrais me gérer. Et pour le Bénin, bah...
Faudra envoyer une autre armée sur place. Normalement, c'est eux qui se prennent un malus, vu que c'est eux qui assiègent. J'ai perdu, juste pour des révoltes, j'ai perdu énormément, énormément d'armées. Il n'y a presque plus de réserves, et je dois encore en récupérer 25 000, 26 000, et ça augmente hein, jour après jour. Tu es en guerre contre qui ? Tunis ottoman, bah t'iras bien te faire foutre, au revoir. Qui sont les prochains? Tyrone. Lorraine anglaise, bah tu vas rester là du coup. Hop. 22% ça fera du bien. Déjà ici, 16 et 8, 8 et 16% ce sera cool. Les Cester. 5 ans, 22 avril et celui-là, 18 mars. Ça va vraiment apaiser la situation. Toujours beaucoup, beaucoup trop, hein, mais on est passé en dessous des 200, c'est déjà pas mal. On va se mettre ici. On va se... Essex. Donc ça, ça va. Pour aller plus vite, tu vas venir te mettre à Norfolk. Ah, ils sont 52 000, ça va pas aller plus vite. Donc on va venir ici. Le suivant, c'est dans pas mal de temps, donc ce sera 21% par contre. Ce sera encore très bien. Hop. Une idée de génie. Vitesse de renforcement, je prends, on en a besoin. Ah, ils vont, ils passent pas, ah, ils restent chez eux, mais très bien. Killua, please, dis-moi que t'as des armées et que tu vas les gérer. Hop. 84 le suivant. Après, une fois que la planète entière s'est rebellée, Lorraine. Lorraine, c'est sur quelle province? Parce qu'on a déjà eu pas mal, donc ce sera en Lorraine même. Ainsi, hop, on stoppe ici. On les calme. On les calme. Lorraine, Tyrone. Mais Tyrone, j'ai déjà mis, non? Eh ben, toi, tu vas remonter en bateau, tu vas retourner sur le continent. Et l'autre, on ira le déposer à Tyrone et ça les calmera. Tu bouges pas tes armées? Pas ce qui se passe. Ah oui, le contrôle de la province est repassé à la France. Hop, en voiture Simone. Et tu vas à Tyrone.
Dans 10 points, hop, ça passe. Après, les deux derniers seront longs, mais une fois que j'aurai tout ça qui sera parti, ce sera fini. Alors, au Bénin, ça bouge pas. Mais avant d'aller au Bénin, on passera d'abord sur les îles, là-bas. Et non, je t'ai ridiculisé, donc tu vas te calmer, mon cher petit monsieur. Ici, mission, recouvrer Calais... non, c'est quoi? Recouvrer Calais, on l'a, hein, donc ça, on s'en fout. Ici, c'est en cours, hein, ce sera possible. Faudra prendre des terres à eux. Récupérer Anvers, donc on a des revendications, d'accord. Ici, annexer la Savoie, c'est un objectif. Annexer Gênes, ce sera possible aussi. Conquérir Milan... ce serait possible. En gros, faudrait que je donne les trois ici à eux. Revendiquer Naples, par contre, ce sera plus possible. Parce qu'il y a trop de terre. Et les Indes françaises, ce sera pas possible non plus. Mais on aura quand même fait une belle partie des missions. Moi, je suis fier. Hein. Pour un, franchement, un retour avec la France. Parce que oui, c'est un retour, hein, je le rappelle. Ça faisait très longtemps que j'y ai pas joué. Donc pour moi, c'est un vrai retour dessus. Je me dis que c'est pas mal. Hein, on est pas mal. On est en pleine guerre civile là, mais ça va. Non mais non, quitte pas. Une fois que t'es... tant que t'as pas, tu quittes pas. Et ensuite ici on a quoi? On a ceux-là qui sont toujours sur leur île et ceux-là qui sont sur les deux îles, d'accord. Ah, révolte en Lorraine. Bah super. En plus il y a les Scandinaves qui étaient sur place, qui ont géré ça. Nous, on va se remettre sur Paris, du coup. Prochain qui se révolte. Grenade et Tyrone. Donc, Grenadine, c'est ceci. C'est ici, on peut rien y faire. Et c'est... Ok, ça va être sur celui-là. Donc, il vient ici. Là, je m'attends à ce qu'ils reviennent vers moi, donc. Et au pire, s'il sort pas de son trou d'ici là, on part sur les îles et on reviendra plus tard. Ulster qui est en Vénère et Catalogne aussi. Pas de conseiller, bah ce serait bien d'en avoir un quand même. Attendre le mois suivant. Morale navale. Allez, on va prendre ça. En bateau. Il y a eux, mais eux, ils me gênent plus. Hein, donc, hop. Donc, ici. En bateau. Toi, tu vas aller jusqu'à... ici. Ce niveau-ci, on n'a pas de soucis. Plus de soucis. Quels sont ceux qui se sont rebellés? Ah, je peux légitimer une autre. Je prends la première. Non, les rébellions en cours. On a le Bénin, on a les deux îles et on a les Macassarois, d'accord. Concernant le Bénin, j'ai envoyé une autre troupe. Hop, ceux de Séville, on va les envoyer, on les ramènera juste après. Dis-moi que t'as d'autres alliés. Non, juste Maroc. Comores, ok. Ici, je peux rien y faire. Il y en a qu'un. L'autre, il travaille sur quel pays? Xhosa. Tu ne travailles pas parce que t'es appartient à une compagnie commerciale. Ah, mais fallait le dire. Toi ici. Fétichiste. Donc ça doit être en Afrique.
Et si j'en crois, ça doit être ici. Voilà. Là, tu vas réavancer et donc tu vas vite retomber. Et nous, on va faire sur... là. Bien. On est maintenant plus qu'à 119%. Les deux suivantes, donc en octobre 73, en octobre, donc on aura plus... Ah si, le barrois vient de tomber. Toi, je t'avais pas dit d'aller sur Paris, genre. Bien, et là on peut le remettre. Pas avant un certain temps. Donc ensuite on va mettre sur Alexandrie. Boum. Et ici je prends ceci. Nous en sommes à actuellement 61%. Il n'y a plus de risque. Donc vous, vous allez aller jusqu'au Bénin. Rapidement, s'il vous plaît. Ceux que j'ai envoyés pour ici, où en sont-ils? Ils se rapprochent. Des agréments mineurs, oui. Des rebelles ont franchi la frontière. Super. On viendra les réoccuper après, mais d'abord, je vais m'occuper des îles, parce que c'est plus chiant. Gwynedd. On va te mettre juste à côté. Et les Anglais, ça fait quoi d'être isolés en France? Une belle petite tâche. Ah, ils ont pris une province, c'est rien. On fait ça, 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 et puis on retournera là-bas. Et ceux qui viennent, ah bah ceux-là ils sont plus rapides. Légitimé Franche-Comté. Bien. Plus que 86%. Ça va bientôt être fini. Alors ici ça a été fait, c'est qui? Il y en a quoi? On a du Ming. Ming et Northumbrie, d'accord, c'est trop le bordel. Où va-t-on coloniser? Ben, on va coloniser en Afrique, je suppose. Là. Ah non, parce que c'était pas une de celles que nous... C'est une de celles que nous avions pris et pas... Ok, c'est une de celles qu'on a pris et pas une de celles qu'on était occupé à faire. On y est bientôt. Oui, ils font des allers-retours, mais on s'en fout un peu. Concernant ceux-ci, ils sont arrivés. Alors, vous êtes arrivés, vous allez faire coucou à l'armée en face. Stop. Connaissons commerce des esclaves, oui, mais ils vont pas durer longtemps, donc on s'en fout. Ivoire, ça je prends. C'est quoi ici? Aspiration à la liberté, mais ça n'évolue pas non plus. Guerre de religion en France. Ça, pas possible. Conflit intérieur, coup d'état nobiliaire, suprématie du clergé, guerre civile. Ça, et on va se poser ici, juste après. Ça, ça appartient à Bali. Ah, tu es indépendant. Tu accepterais même une vassalisation. Je m'en fous. Mais c'est cool. Monte en bateau. Jusqu'à la province suivante. Ici, je suppose
que oui, vous êtes arrivé, enfin. Allez, on est bien là. Bon, franchement, on finisse tous cette partie gestion de rebelles et on aura un épisode plus long. Mais c'est pas plus dérangeant, il faut des épisodes plus longs parce que je le rappelle, dans pas longtemps, hein, c'est peut-être la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin, de toute façon, je vais essayer de bloquer les mises à jour auto, le temps de finir cette série. Puis je ferai peut-être quelques semaines de pause sur ça. Donc, c'est-à-dire pas tout de suite du EU4, j'attendrai un peu. Et je reviendrai, je sais pas comment je vais faire, mais je pense qu'une toute petite pause, hein, pas un truc immense, mais ça peut faire du bien. Rien de nouveau. Niveau mercenariat ici, ça se fait plus, non c'est bon, on est bloqué à 60%. Donc... Entraînement. Tu as fini. Monter en bateau. Toi ici non plus. Et parfait. Est-ce qu'il y a encore des soucis de... Oui, il y a les Maraves qui sont en risque. Hop. Et la dernière, voilà. Et on aura réussi. Ouf. Ça aurait été bien dur. Colonie. Oui, mais ils perdent toutes leurs colonies. Ils essaient de faire un truc et ils se font éclater. Donc, faites-vous plaisir. Ça, c'est que des colonies que j'ai prises, je suppose. Non, ça c'est une colonie que j'avais, que c'est moi qui commandais. Alors, il manque une terre ici. On envoie via le Québec. Si ça, on devrait le découvrir. Peut-être donner un boost au Québec aussi, qui sait. On va peut-être leur donner un élan au Québec. Rigoler. Un élan au Québec. Et voilà, eux sont arrivés. Nickel. J'entraîne aussi Michel. Non, des points. Je veux des points, j'aime les points. Prochaine tech. Pour bientôt. Elle est pour bientôt. Donc on va attendre, on va pas gaspiller les points, on va passer ça en tech suivante, hein, dès qu'on peut. L'année prochaine, on peut le faire, mais est-ce qu'il vaut mieux pas attendre l'année prochaine pour avoir des points de réserve ? Ce serait mieux quand même. Et ici le bateau, ah le bateau est presque arrivé à bon port.
Là, t'auras pas le choix, tu vas devoir les attaquer. Ou te faire attaquer. Trêve avec Florence. Très bien, parce que je comptais l'utiliser pour mes prochaines guerres. Et donner les trois, tout à... Tout à Luc. Et ils se déplacent, ils vont tourner en rond pendant un temps, ça va être drôle. Ah ben voilà. On va voir maintenant. Soit ça passe, soit ça casse. Tu es mort. Hop, ici. Toujours. Ah si, ici on peut commencer. De toute façon, ceux qui en... qu'on ne peut pas ne sont pas représentés. Donc on peut s'occuper de tout ce qui est protestant. Teyas. Ah merde. Eh ben si, c'est bon en fait. C'est un peu ce que j'avais prévu ici. C'est prendre ça. Et ainsi, ils sont bloqués là. Et ainsi, ils ont leur grosse colonie, hein, qui est quand même un bon bout de Mexique, mais qui est isolée. Et là, le Québec. Dis-moi qu'il va faire quelque chose de bien, qu'il va coloniser, genre une terre dans le coin ici dans le sud. Ah oui, c'est vrai, je vais faire une dernière chose ici. Toi, tu montes. T'as un bateau. Toi. Ah merde, c'est pas un bon. Pourtant, c'était bien, c'est bien ce que j'avais prévu ici. En navire, transport. Transport, c'est le dernier. Je me suis trompé. C'est bien. Ah, il a réussi à les repousser. Ben, c'est nickel. Nous, on va s'arrêter ici, du coup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.